Bonjour à tous, c'est Shadowbros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sly Cooper 2-3 du coup, pardon. Et du coup, aujourd'hui, déjà, on a ramassé, j'ai encore ramassé des pièces du coup. Et on va prendre le pack de suspension et la charge folle. On fera encore une complétion de pièces dans la prochaine vidéo, hein, mais bon. J'en fais petit à petit, écoutez, hein, c'est pas évident de ramasser beaucoup de pièces hein, dans ce jeu. Il n'y a que les gardes qui ont des pièces, et encore des fois s'ils sont pas les poches pleines, comme lui il a les poches pleines, c'est ce que je vois. Et voilà, encore un anneau en or. Bon, il a pas les poches pleines, mais bon, ça fait toujours plaisir. Bon, allons-y. Très bien, les gars. Aguilera devrait durer, hein? Il faut intimider les locaux. Et je ne sais pas me mettre en colère. Et vous faites comment? Il suffit de trouver l'allumette qui est en toi. Allume-la. Laisse le feu te dévorer. Et faire bouillir ton sang. Oui, je fais un peu pareil. Bon, notre objectif est de faire dégager ces mineurs, quels que soient les moyens employés. Je vois. Écoutez, tas de boue, vous allez dégager. Ce bar est sous contrôle du clan Cooper. Tu joues au dur, mais tu sais pas à qui tu parles. On est connu dans le coin parce qu'on sait lever le coude. Et ici, c'est justement un bar à limonade. Sly, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Si c'est un défi que vous pensez, eh bien nous... On est prêt à affronter les trois meilleurs buveurs de limonade que vous avez. On accepte. Celui qui perd dégage. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Prêt? Fait? Partez! Descends cette limonade minable! Hé, hey, je suis allergique au citron. Une autre! Vas-y! Cascade! Tunnerre! Je... Faites descendre! Coûte-moi ça! Allez! Avale plus vite! Allez! Dégomme tout! Allez, vas-y, quoi. Ça se voit, il boit lentement, Bethley. Garde le rythme, ouais. Oh, on a gagné. C'est de la triche. La tortue a plus recraché que bu. Voilà ce qu'on fait aux tricheurs dans le coin. Allume la clôture, Bruce. On va filer une petite correction à ces tricheurs. Sly, ça va? En pleine forme. Génial! On ramasse des pièces, hein. Tant qu'à faire. Oh.
finis pas. Tu tiens le coup, Murray? Il est passé où, lui? Je suis en pleine forme. Attention à l'hippopotame. Montre-leur qui tu es. Bien vu, Murray. Quelle descente, Murray. Il y en a plein. D'abord, y'a plus personne. Ouais! Le clan Cooper assure un max! On est les rois de la limo! Les champions, toutes catégories! Ces types ne remettront pas les pieds ici de sitôt. Les gars, ils ont gardé le costaud pour la fin! Il porte ce masque super flippant! Ça doit être un pro! On devrait tous s'y mettre pour le neutraliser! Ce masque dégage une force très puissante! Jinja Drogo Mazadex! J'ai pas compris. Amène-le par là et j'appuierai sur la détente. Je suis déjà mort en fait. Mais je suis mort, en même temps, tu fais exploser la pompe en même temps. Amène-le par là et j'appuierai sur... Attrape le temps qu'il est assommé. Regardez le costaud, hein, vraiment, comme tu dis. Tout est en place. J'ai un tonneau ici. Tu le meurais. Je prépare, Sly. Voilà, merci. En fait, ce type était le masque. Il s'échappe. On a peut-être fait le ménage dans ce bar, mais ce masque risque de nous causer des ennuis. Comme toujours. Il faut le détruire. Bon bah, le plus important, c'est que la mission elle soit faite. On est seulement à 12%. En même temps, j'ai toujours pas fait l'émission du premier chapitre. Hein.
la pince. Non mais c'est une blague, il s'est pas accroché. Allez vas-y, accroche-toi. C'est bien. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici alors? Prêt pour aller sur les champs de pétrole? C'est juste au bout de cette grotte. Oh oui! Bentley a dit qu'il y aurait plein de grosses machines à détruire! Ça a l'air d'être ton truc. O-U-I, oui! On cherche du pétrole radioactif, c'est ça? J'en sais rien. J'écoute jamais les démonstrations de Bentley jusqu'au bout. Ne lui dis pas. Oh, Motus bouche cousue. Oh là là, je vous jure, on meurait. Fly, phase 1. Protège les centrales électriques pendant que Murray remplit les 6 puits de pétrole. Utilise la super pince 10000 pour te débarrasser des mineurs. Le joystick analogique gauche permet de déplacer la pince. La touche X permet d'attraper ou lâcher des objets. Avant de te faire repérer, essaie de ramasser ce rocher et de le lâcher dans le puits. C'est simple. Tu m'as l'air doué. L'autre fonction importante du modèle 10000 est le lancer. Prends un objet et appuie sur la touche cercle pour le lancer. Tu peux jeter des objets assez loin. Continue et lance un de ces rochers sur cette clôture électrique. Je crois que j'ai compris le truc. Bien joué. Essaie de le refaire pour moi. Avoue-le, Bentley, je suis doué. J'espère que tu as raison, car les mineurs en ont après nous. D'accord. Utilise ce qu'il y a sur les champs de pétrole pour protéger les centrales électriques. Oh, cette clôture électrique sera très utile pour repousser les gardes. Attention, les voilà. Simple, actuellement. Bon, là, je me suis fait toucher, mais bon. Parce qu'en même temps, je fais pas attention, donc... Et allez, vas-y, prends-le. Heureusement que les clôtures électriques sont indestructibles, hein, du coup, là. Allez, fonce dans, dans la clôture, là. Allez, hop. Ouais, tout le monde va foncer dans la clôture, moi, je pense, hein. Clairement, c'est une bonne idée. Attends. Et prends-le.
Voilà. Bien sûr qu'il est cuit. Je me prends. Bon, l'autre, s'il n'y a rien. On continue comme ça, du coup. T'inquiète, t'inquiète pas, Marie, tu vas y arriver. Allez, on est fort au jeu de la pince, hein. On se souvient de dans les fêtes foraines, hein, les jeux de pince où c'est de l'arnaque. Voilà, bah ici là, c'est tout est gagnant. C'est chiant, hein. Ils sont chiants parce que je dois faire deux choses en même temps là, du coup. Non seulement je dois ramener des rochers, mais en plus je dois faire attention au groupe donc. Ça, il en reste encore un. Je l'ai raté, bien sûr. Passons à la phase 3. Avec les puits en feu, la différence de pression devrait faire remonter à la surface de pétrole brillant enrichi à l'uranium. Il faut prélever un échantillon avec une extrême prudence. D'accord. Murray, je te jure. Murray, mais sérieusement, juste Murray. Il y a des trucs dans ses poches. Anneau en bronze. Allez, va-t'en, toi. Je vais récupérer ce qui est dans tes poches, peut-être. Ouais, en plus, t'as un truc qui brille. Allez, une médaille en or, 94. Ok, il reste plus qu'une seule mission, du coup.
Ces becs là ils donnent rien en pièces hein. Franchement c'est de l'arnaque. Actuellement là normalement on va devoir jouer avec les crocos donc est-ce qu'on a pas un truc à 500 vite fait à acheter 400 allez vas-y. Est-ce qu'on a vraiment le temps je sais pas si c'est comme la mission de tout à l'heure, franchement on aura peut-être pas le temps mais bon je vais quand même la faire. Il est temps de soustraire quelques mineurs à l'équation. Tu sais que je comprends rien aux maths. Il faut qu'on casse la tête à de sales types. Au nom du bien. D'accord, je suis l'homme de la situation. Le gourou va attirer les mineurs dans un lieu stratégique près du crocodile géant. Ton boulot à toi est de jeter les types dans la gueule du monstre. Je dois lui donner à manger des mineurs, hein? C'est un plan machiavélique. J'adore. Avec de la chance, ce reptile géant va faire tout le travail pour nous et nous débarrasser des mineurs. Il pourrait aussi se charger du masque noir de la Terre sombre. Je l'ai repéré près du refuge. Reçu. C'est l'heure de la soupe. Aïe, aïe. Je ne sais pas, mais ça doit pas l'atteler le pilier longtemps, je pense. Les mineurs sont sur le point de déguerpir, je le sens. En fait, ils seraient sûrement déjà partis s'ils n'étaient pas sous l'influence néfaste du masque noir de la Terre sombre. Nul doute que nous devons le détruire. Il faut lancer l'opération Lune Noire. D'abord, le gourou se chargera du gyrocoptère. On pourra alors passer à la deuxième phase du plan.
Bon, d'après la légende aborigène, le masque noir de la Terre sombre est l'ennemi juré de l'esprit de la Lune. Comme Murray est aussi rond que la Lune, on l'enduira de pétrole brillant et lui fera jouer le rôle de l'esprit. On le suspendra à la grue pour être sûr que le masque le trouve et réplique illico. C'est là qu'on intervient. Murray fera un hippopocrache pour se dégager de la grue et neutraliser ce masque. Une fois détruit, les mineurs s'enfuiront et le gourou pourra nous aider pour le caveau des coupeurs. Génial. Ça me paraît d'être un bon plan, mais je pense qu'il va y avoir une couille. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Du coup, dans le prochain épisode, on va encore chercher des pièces. Génial. On aime faire des pièces, hein, n'est-ce pas? Et dans le prochain épisode, du coup aussi, on commencera l'opération Lune Noire. Mais ça, on verra ça ensemble, du coup, parce que le fait de farmer des pièces, bah, je vais pas faire ça en caméra, du coup. Ça, c'est chiant, trouver des gardes avec les poches pleines, prendre les pièces, tout ça, voilà. Bon, moi, je trouve que ça est pas très intéressant à montrer. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut et bye bye!